Une star du Festival de Cannes reste sous les feux des photographes de la Croisette sans que jamais le temps n'atteigne sa beauté. Cette star, c'est l'Hôtel Martinez, ce splendide bâtiment qui surplombe la plage et s'impose comme l'un des plus grands palaces européens. Tous les grands de ce monde passé et présent ont arpenté ses couloirs. Pourtant, depuis quelques années, le tableau est loin d'être idyllique, car le roman de cet hôtel n'est pas simple et ses murs sont les témoins des soubresauts de l'histoire. En 1927, Emmanuel Martinez, le fondateur de l'hôtel, en confie la construction à Frédéric Danella. Les deux hommes sont des chefs d'entreprise installés et reconnus. 75 ans plus tard, alors que l'hôtel est devenu la propriété d'un groupe financier américain, leurs héritiers, désargentés, se battent toujours pour retrouver la fortune et l'honneur de leurs parents. Tout au bout, là, il y a le Carlton. Et je pense que le Martinez est là. Il y avait de la place. Surtout quand mon grand-père a construit son hôtel, il n'y avait aucun immeuble à côté, gauche-droite. Le fondateur de l'hôtel Martinez, c'est Emmanuel Martinez, un Italien né en 1882, fils du baron Giovanni Martinez, commandant du port de Palerme. C'est un homme qui débarque au tout début du XXe siècle en France, et qui va après avoir une expérience aussi en Angleterre. Et de cette expérience va naître une compétence dans le domaine de l'hôtellerie de luxe. Et très rapidement, c'est quelqu'un qui, après la guerre de 14-18 en particulier, va se retrouver dirigeant d'hôtels prestigieux, du Carlton, aussi bien à Paris qu'à Londres. Et ça va être très rapidement un homme d'affaires, je dirais, qui monte en puissance dans ses années 20, parce que il a à la fois la compétence professionnelle, la rigueur, et un sens aigu du travail et de l'effort. C'est vraiment le self-made man capitaliste qui a un côté un petit peu génial. En 1919, Emmanuel Martinez prend la direction du Carlton des Champs-Élysées, un palace en déconfiture financière qu'il rachète dans les mois qui suivent. Mon grand-père a fait la connaissance de ma grand-mère Emmalia à son hôtel Carlton. C'était juste à la fin de la guerre de 18. Ils se sont vus l'année d'après, ils se sont connus en 1919. C'était vers la fin de l'année, octobre, décembre, je ne me rappelle plus. Elle l'a connu, elle a été rentrée dans ce qu'on appelait le café anglais, qui était sur les Champs-Élysées, donc en dessous de son hôtel de Carlton. Et c'est là où elle a fait la connaissance. Elle était arrivée en voiture, espèce de voiture de sport extraordinaire. Et elle s'était garée à cette époque-là, on pouvait se garer, sur les Champs-Élysées. Et donc, c'est la première fois qu'ils se sont connus. Il était déjà marié avec sa femme française, Marie Maldinet. Emmanuel est citoyen italien et la loi italienne ne lui permet pas de divorcer. Emma Digard devient donc sa maîtresse et partage désormais sa vie. Lundi 10 juillet 1922. Ma Mimi. J'ai vu aujourd'hui un appartement avenue de la Grande Armée, horrible. Je m'arrange pour en trouver un autre plus tôt. Je t'écris à la hâte dans la chambre, ma femme est sortie. Je t'embrasse fortement, je t'envoie tous mes baisers et je reste tout à toi, Manon. J'ai bien reçu ta lettre du 10. Que fais-tu pendant mon absence? Je n'ai aucun contrôle sur toi. Il est vrai que tu es libre de tes actions, mais la seule chose que je te demande est que tu sois pour moi, mon moi que j'adore et qui ne se donnera qu'à moi. Avec 1000 baisers, ton tout qui t'aime, Didi. En 1922, Emmanuel Martinez a une aventure avec la gouvernante d'un de ses hôtels niçois. La petite Suzanne qui va naître de cette relation est placée dans une famille d'accueil. Mon grand-père, Emmanuel Martinez,
a réussi à faire descendre sa maîtresse, Emma Digard, pour lui présenter le bébé. Et après un certain temps où il s'est passé des choses entre deux, parce que ça a été une grosse surprise pour Emma Digard, mon grand-père Emmanuel a réussi à faire en sorte que sa maîtresse, Emma Digard, adopte sa fille qui est devenue Micheline Digard. La petite fille baptisée Suzanne prendra le prénom de Micheline lors de son adoption, mais reprendra son prénom de Suzanne à l'âge adulte. Emmanuel Martinez est un père attentionné, très présent auprès de sa fille. Les premiers moments dont je me souviens de papa, c'était à Nice, à l'hôtel Rulle, parce que j'avais à peu près 2 ans et demi, 3 ans, et j'apprenais à marcher. Et pour, il mettait mes pieds sur ses pieds, et il me tenait, et je marchais comme ça. Et je l'appelais Papino. Et comment dirais-je, c'est de là que je me souviens, c'était au Rulle, à Nice, je me souviens des premières choses de papa. Après, c'était à Paris, quand on habitait avenue Foch. J'étais plus grande et où j'ai été élevée. J'allais à l'école à Saint-Honoré-des-Laux jusqu'à l'âge de 9 ans. Et puis après, on était descendu à Cannes où on avait un appartement. Et puis un appartement à l'hôtel et un appartement au Palais Notre-Dame-des-Pins. Mon père a toujours été adorable avec moi, toujours charmant. Il m'apportait toujours des petits cadeaux, toujours il m'embrassait, toujours je jouais avec lui. Quand j'étais petite, il m'avait appris à danser. Je n'ai que des bons souvenirs de papa. Je n'ai jamais eu un mot de reproche, un mot... Ma mère était sévère, mais papa, pas du tout. Emmanuel Martinez est professionnellement au sommet de son art. La gestion des palaces n'a plus aucun secret pour lui. C'est en 1925 que Marius Bertagna fait son apparition. Emmanuel Martinez l'engage en qualité de secrétaire particulier. Pendant 20 ans, il donne l'apparence d'un secrétaire dévoué. Pourtant, il est nourri d'une ambition sans scrupules que son patron ne détecte pas. Emmanuel Martinez a pour l'instant dirigé ou racheté des hôtels conçus et construits par des prédécesseurs. Il rêve de mettre son expérience au service de la création d'un hôtel de rêve. Il va donc bâtir le plus grand et le plus beau palace jamais construit. Et sur le toit de ce magnifique bâtiment, il pourra laisser les 8 lettres de son nom éclairer la ville de Cannes pour la postérité. Martinez sera désormais le symbole du luxe et du raffinement sur la Côte d'Azur et dans le monde. Il trouve un terrain en front de mer, un emplacement extraordinaire. Puis, il crée ensuite la Société des Grands Hôtels de Cannes et lance un appel d'offres. À Marseille, il rencontre Frédéric Danella, le futur constructeur de l'hôtel. Après une première guerre mondiale où il s'est comporté très honorablement, puisqu'il a été médaillé de la première guerre mondiale, il crée la Société Danella Frères, qui gagne des chantiers sur Marseille. Rénove les escaliers gare Saint-Charles, commence à édifier, en particulier dans le 5e arrondissement de Marseille, des ensembles immobiliers. C'est un continuateur. Il continue une lignée et il a l'ambition de devenir un gros entrepreneur dans le sud de la France et de commencer à rayonner à partir de Marseille. Le chantier pharaonique démarre le 1er décembre 1927. 500 ouvriers s'occupent à monter les 7 étages en front de mer de l'édifice. Des experts prétendent que ces travaux coûteraient 500 millions d'euros de nos jours. Frédéric Danella est très impliqué. Il accepte même de remplacer des sous-traitants défaillants. Mon père est de ceux qui s'est dévoué dans toute sa vie. Alors, il paraîtrait que M. Martinez, je suis au courant de certaines choses, M. Martinez aurait demandé à un entrepreneur de faire toutes les pilotis, etc. Et soi-disant, il paraîtrait qu'à ce moment-là, l'entrepreneur qui devait le faire a fait faux bond. Voilà, mais c'est à raconter, hein. C'est pas, moi je vous le dis, mais vous pouvez le retrouver dans des papiers, hein. Vous pouvez le contrôler, ce que je dis. Eh bien, et donc, mon père, donc, a accepté. Il aurait pu ne pas accepter. Et ça a été un gros travail. Ce qui a un peu retardé un petit peu la date même de la fixation, de la terminaison.
En 1929, les travaux s'achèvent, mais Martinez et Daniela se brouillent. Il y a eu des retards et Martinez était très pressé. Il y a eu des retards dans le chantier. Après, il y a eu sans doute des problèmes avec les sous-traitants. Il y a eu des problèmes avec les sous-traitants. Il y a eu aussi un problème au niveau de l'exécution des travaux qui pour Daniela était conforme et pour Martinez ne l'était pas. Et dans le dossier, vous avez un rapport d'expertise qui dit que les travaux de Daniela sont impeccables et vous en avez un second qui dit le contraire. Donc, et la cour d'appel d'Aix en 1935 avait annulé le rapport d'expertise favorable à Daniela, mais après, il n'y en a pas eu d'autres. Hein. Donc on pourra jamais savoir réellement ce qui a pu se passer, mais je crois que le litige, c'est un problème banal entre un entrepreneur et un constructeur et donc le propriétaire, et le propriétaire qui trouve que les travaux n'avancent pas assez vite. 26 décembre 1929. Ma toute chérie, je n'ai pas eu l'envie de t'écrire car j'aurais voulu te donner des nouvelles meilleures. Hélas, j'y suis toujours dans la même situation. J'ai plus de 9000 francs de frais par jour et nous faisons 4000. C'est désastreux. C'est la première fois que je me trouve réellement coincé. Je t'embrasse bien tendrement. Embrasse notre Micheline. Manon. Durant le bras de fer judiciaire qui oppose les deux hommes, Daniela décide d'occuper 3 étages de l'hôtel en attendant d'être payée. 18 novembre 1930. Ma femme chérie, la police est intervenue plusieurs fois. Le procureur de la République m'a donné raison et je crois que Daniela est partie sans faire de bruit. Je pense que la malchance a tourné. 19 novembre 1930. Nouvelle complication. Daniela a demandé d'aller en référé au tribunal de commerce. L'affaire étant délibérée. Enfin, demain soir, je saurai à quoi m'en tenir. Je t'embrasse bien fortement, ton homme, Mano. Finalement, Martinez propose à Daniela de le payer en action. Il le fait entrer dans la société d'exploitation de l'hôtel, la société fermière de l'hôtel Martinez, à hauteur de 8%. Quand vous regardez les assemblées générales de la société fermière, qui était la société d'exploitation de l'hôtel, hein, où Daniela avait des actions, vous vous apercevrez qu'à partir de la fin des années 30, Daniela ne vient plus, parce que la société Daniela Frères a été mise en faillite en 1934. À cette époque, si vous voulez, il n'y a plus de relation d'affaires entre Daniela et Martinez. Daniela, ça reste simplement à cette fin des années 30, début de 1940, c'est un nom absent sur les convocations d'Assemblée Générale. Si Daniela est en faillite, les affaires d'Emmanuel Martinez marchent plutôt très bien entre Paris, Cannes et Londres. 28 juillet 1934. Ma Micheline chérie. Je ne t'écris pas souvent, mais maman a dû te dire combien je suis occupé. J'ai ouvert une rôtisserie et un cabaret de nuit, tant cela marche très bien, et à ton retour, tu viendras y faire un bon repas avec moi et maman. Je t'embrasse bien fort, ton papa. Londres, 27 octobre 1934. Ma femme chérie, arrivé mardi, je n'ai pas chômé un seul instant. C'est un voyage utile et j'ai reçu partout un accueil magnifique. Ici, certains journaux ont annoncé mon arrivée à Londres et j'ai été interviewé. La vie ici est intense, un luxe inouï, et tout le monde dépense et s'amuse. Paris de 1926 s'est transporté à Londres. Je t'embrasse tendrement, Manon. De son côté, Emma Digard développe ses activités dans la mode et la haute couture. C'était une femme d'affaires, elle avait un magasin à Cannes, à côté du Martinez. Elle avait des vitrines au Martinez aussi, mais elle travaillait beaucoup. Elle avait un atelier où il y avait quand même 30 petites ouvrières et puis une première. Et maman avait beaucoup d'idées, c'est elle qui avait inventé sur les vestes une
poche sur les manches. Et pour pas perdre de tissu, quand on coupait une robe, les morceaux qui restaient, elle faisait faire un bord comme ça avec des plis, et ça faisait une petite écharpe. Et c'est elle qui a lancé ça. Et après, beaucoup de gens l'ont copié. Il y avait même Chanel, Cannes, qui avait copié cette chose-là. En plus de son magasin, elle avait les vitrines du Martinez, il y en avait une dizaine, et là, il y avait plein de... Elle n'avait pas que des affaires à elle qui étaient exposées. Il y avait Van Cleef, il y avait Boucheron, il y avait Hermès, il y avait Henri à la Pensée, il y avait beaucoup, beaucoup de grandes maisons à qui elle louait ses vitrines. C'est quand mon père a construit l'hôtel, et qu'il a, dans le hall, il a mis les vitrines, il en avait fait cadeau à maman. Frédéric Danella attend toujours son argent. Il continue néanmoins son activité dans le cadre d'une nouvelle société dont il donne la gérance à sa femme. Alors moi, je suis née après la tempête, c'est-à-dire au commencement de la création de la Société Générale du Bâtiment. Voilà, alors ce qui fait que j'ai pu suivre exactement le redressement, un petit peu, justement, de notre père qui avait été complètement ruiné par Monsieur Martinez, hein, dans la villa qu'on occupait, qui avait été construite par mon père d'ailleurs. Son bureau avait la vue dans le jardin. Et moi je faisais de la balançoire. Alors je faisais la balançoire, je montais toujours très haut, toujours. Moi j'ai toujours des idées très hautes. C'était mon père que je voyais, parce que son bureau était juste en face de la fenêtre, toujours en train de travailler, faisant des relevés, et je le voyais inscrire, etc., travailler, voilà. Il essayait de redresser, mais non, je comprends bien la situation de l'époque. Suzanne, la fille d'Emmanuel Martinez, fréquente à partir de 1936 une école anglaise. Londres, 9 mai 1938. Ma chère fille, j'ai aujourd'hui de bonnes informations pour l'école, laquelle est à 90 km de Londres. J'irai mercredi. Tu pourras y passer chaque semaine et tu deviendras très forte en anglais. Je t'embrasse bien tendrement. Papa. Ma mère et mon père m'envoyaient toujours en Angleterre pour apprendre l'anglais. Et mon père avait choisi un couvent parce qu'il voulait pas que j'aille dans une école publique, comme ils étaient pas là à côté de moi. Et j'étais chez les Dames de Saint-Maur à Weybridge. Et là, j'y suis allée 3 ans de suite, pendant 2 mois, pour apprendre l'anglais. Pour en finir, j'apprenais plus l'italien parce qu'il y avait des Italiennes qui venaient d'Italie, comme la maison mère était en Italie. Et l'anglais, c'était pas terrible. La guerre éclate en 1939. Dimanche 3 septembre 1939. Ma petite maman chérie, la chose inévitable est arrivée, la guerre. Et je suis loin de toi. J'espère que tu t'es déjà arrangé pour que je revienne, car je ne veux pas rester ici en Angleterre, et toi, ma petite maman, loin en France. Cela m'est vraiment impossible. Je pense trop à toi et à tous les autres qui sont là-bas dans mon pays. Ici, c'est comme s'il n'y avait rien. Les gens sont d'un calme à en prendre crise de nerfs. J'admire cela, mais vraiment, ils sont trop courageux. Mais j'étais coincée quand j'avais 16 ans, c'était juste la guerre qui est arrivée, et j'étais coincée là-bas et j'avais très peur. Il y avait une amie de ma mère et de nous que je connaissais depuis l'âge de 9 ans, Nancy, ouais, et qui était déjà connue, et donc grâce à elle, j'ai pu avoir les papiers à l'ambassade sans attendre. Et je suis arrivée en France à Calais. Et j'ai pleuré en voyant la France, j'avais tellement peur, comme la guerre s'était déclarée, de ne pas pouvoir rentrer à Cannes. Quelques mois plus tard, la France a perdu la guerre. Mais pour l'instant, la Côte d'Azur reste en zone libre. À part quelques contrôleurs italiens qui sillonnent la région, rien ne semble troubler les affaires qui tournent encore très bien. Pierre Abramovici est journaliste et historien.
spécialiste des affaires économiques durant la guerre à Monaco et dans les Alpes-Maritimes, il a travaillé sur ce sujet afin d'en tirer un ouvrage de référence intitulé « Un rocher bien occupé ». La Côte d'Azur est sous zone de contrôle italien. Et les Italiens sont moins sévères que les Allemands. Deuxièmement, on est sur la Côte d'Azur, donc il y fait beau, il y fait soleil, et là, on a tendance à aller sur la Côte d'Azur en villégiature. C'est donc un pays plutôt plus tranquille, une zone plus tranquille et plus calme que le reste du pays. En raison de ce climat de liberté relative, la région regorge d'agents secrets de tous bords. C'est ainsi que Tom Kenny arrive à Cannes, en mission pour les services secrets britanniques. Il est chargé de créer une filière d'évasion pour les pilotes de la Royal Air Force. Il a eu aussi, comme moi, une enfance très dorée. Et puis la guerre est arrivée, il était dans la résistance. Et je l'ai connu à Marseille, chez des amis, les Fioca. Et c'est là qu'il s'est rencontré un tas de personnes. Et moi, je l'ai rencontré là. Et puis, j'étais très jeune, j'allais encore à l'école. Quand il venait à Cannes, il venait me chercher au cours et me portait les livres. Et c'était formidable. Et comment dirais-je, après on s'est mariés, et puis 3 jours après, mon mari était arrêté par les Allemands, et on a mis au moins 3 semaines avant de savoir où il était, et il était au Fort Saint-Nicolas, à Marseille, où il est resté 5 mois et demi. Les diplomates américains interviennent auprès du gouvernement de Vichy. Après 5 mois de détention, Tom est enfin libéré. Nous sommes allés à Cannes, et à Cannes, là, il s'est organisé pour pouvoir partir par l'Espagne. En novembre 1942, les Allemands et les Italiens envahissent la zone sud. Désormais, toute la France est occupée. 2 mois plus tard, Suzanne s'enfuit en Espagne et rejoint son mari en Angleterre. Quelques semaines plus tard, Emma Degard est arrêtée. Ma bien chère petite fille, il faut que tu saches, ma chérie, que j'ai été arrêtée par la Gestapo, mise en cellule à Dijon à la prison militaire allemande, où j'ai subi les sévices habituels de ces êtres-là. Pour l'instant, je ne puis te donner d'autres explications. Emmanuel parvient à la faire libérer. Ses bonnes relations apparentes avec l'occupant lui permettent d'obtenir ce genre de service. Frédéric Danella, lui aussi, est arrêté par la Gestapo. Il allait dans un endroit à Marseille, disons un magasin, et là, il y avait la Gestapo. Il y avait les bureaux de la Gestapo qui étaient mitoyens. Alors, ce qui fait que c'est dans la salle d'attente, il a dû parler avec quelqu'un, ou je ne sais pas quoi, et les conversations ont été écoutées par la Gestapo, là, à cet endroit-là. Et à cet endroit, donc, il a été dénoncé, complètement dénoncé. Aussi, on est venu l'arrêter à minuit, là, un jour, là. C'est ça, il est resté quand même quelques mois. Exactement, ça, je ne me rappelle pas, mais il est évident que même 2 mois ou 3 mois, c'était énorme. En 1943, Emmanuel Martinez survit comme il peut. Son hôtel est en partie réquisitionné par l'armée italienne. L'argent se fait rare. Dès juin 1943, mon secrétaire Marius Bertagna me présente au monsieur Nicolas Blanchet, homme de confiance d'un sieur Skolnikov. Des propositions m'ont été faites pour la cession de toute ou partie de la Société des Grands Hôtels de Cannes. J'ai refusé net. Mandel Skolnikov, dit Michel, est un personnage sulfureux. Juif apatride, il travaille pour les Allemands. Skolnikov est un escroc. Avant-guerre, il a été arrêté et impliqué dans plusieurs escroqueries. C'est quelqu'un qui fait de la vente et du commerce de manière plus ou moins légale avant-guerre et qui va donc le faire de manière plus ou moins légale pendant la guerre, mais cette fois-ci pour le compte de la SS. Il va faire rentrer, grâce à ce qu'on appelle les bureaux d'achat, énormément de marchandises qui vont être revendues à travers le marché noir, et il va le blanchir de différentes manières, soit en achetant des choses, notamment une grande partie du parc immobilier du 16e et du 8e arrondissement de Paris, qui vont être achetées par Skolnikov ou spoliées, mais qui vont rentrer dans l'escarcelle, donc de la SS.
l'ensemble des biens de Skolnikov évalués à la libération, qu'il faut donc appeler des biens de la SS via Skolnikov, représente pour Paris 2 milliards de francs de l'époque et pour la Côte d'Azur, et notamment pour la principauté de Monaco, 1 milliard. Blanchet m'a parlé d'une œuvre grandiose que Skolnikov avait l'intention de mener à bien, un groupement d'hôtels d'une grande importance. À partir donc de 1942, petit à petit, l'étau sur le palace Martinez va se resserrer. Parce que l'occupant n'est pas toujours bon payeur, puisque l'hôtel a été réquisitionné par les Italiens, et après il sera réquisitionné par les Allemands. Donc on se retrouve dans une situation où Martinez peut avoir comme horizon, comme interlocuteur, Monsieur Mandel Skolnikov. À cette époque, Emmanuel Martinez a mis près de 20 millions de francs de son argent personnel dans les caisses de l'hôtel. C'est ce qu'on appelle communément un compte courant d'associé. J'ai lancé en l'air et sans aucune conviction que la société était débitrice à mon égard de près des 20 millions sous forme de compte courant. Je ne me faisais aucune illusion, étant certain que personne aurait accepté de se substituer à moi en prenant à charge mon compte courant. 14 juin 1943. À ma grande surprise, Blanchet est venu me voir pour me dire que son patron acceptait de se rendre acquéreur de mon compte courant. 24 juin 1943, Monsieur Skolnikov arrive à l'hôtel Martinez. C'est à cette date que nous avons rédigé la seule convention qui existe en date du 24 juin 1943. Et c'est ainsi que Skolnikov s'est engagé à prêter 20 millions de francs à Emmanuel Martinez. Mais Skolnikov ne paiera pas Martinez, car dès le mois de juin 1944, il s'enfuit en Espagne avec son immense fortune. De son côté, Emmanuel Martinez est menacé physiquement par les communistes. La fin de la guerre est terrible dans la région. C'est-à-dire que des gens sont littéralement affamés, des gens se retrouvent dans le dénuement le plus complet, et ils voient Martinez parader avec les Allemands, les Italiens et puis les Allemands. La cabale qui se développe contre lui est montée dans un premier temps par un groupe de résistance à Nice, qui est un groupe de policiers résistants. Ils ont un journal, et cette revue se met à dénoncer les fascistes, à longueur de colonne. Martinez, il y a des photographies. Il est hôtelier dans un hôtel de luxe à Cannes, donc où il y a des collaborateurs, des Allemands, des Italiens, des gens venus de Paris, de Vichy, qui sont là. C'est la logique d'un hôtel de luxe. Il y a des photographies, des plaquettes, où il se montre en compagnie de ces gens importants. Moralité à la libération met en avant ces photographies et on dit « regardez-le ». Et cette campagne se développe parce qu'il est symbolique. Le 15 août 1944, les Alliés débarquent en Provence. À Cannes, c'est l'heure de la libération. Martinez s'exile en Italie, mais il ne se considère pas en fuite. Il s'est simplement mis à l'abri des menaces qui pèsent sur sa tête. Je me suis rendu à Milan convaincu que j'aurais pu réintégrer les territoires français où je n'avais laissé que de bons souvenirs en raison de mon activité bienfaisante, en sauvant au mépris de ma vie des gens de toute nationalité et religion persécutés par la Gestapo allemande. Emmanuel Martinez ne pourra pas rentrer en France, car son plus proche collaborateur, Marius Bertagna, va tirer profit de la situation pour prendre sa place. Et le 28 octobre 1944, vous aviez un certain Marius Bertagna, qui est le secrétaire, qui est le comptable de Martinez, qui est son secrétaire, qui va dénoncer Martinez comme quelqu'un qui collabore économiquement avec l'ennemi, et petit à petit va alors se mettre en place le mécanisme qui va entraîner la spoliation d'Emmanuel Martinez. Le 13 novembre 1944, un mandat d'arrêt a été mis à l'encontre d'Emmanuel Martinez pour atteinte à la sûreté de l'État. Martinez assiste du fond de son exil italien à la mise sous séquestre de ses biens et notamment de son hôtel. Emma Digard, restée seule à Cannes, raconte à sa fille. Le 18 décembre 1944, ma bien chère petite fille, pour ton père, il a été menacé de mort par des gens qui ne savent pas toutes les belles actions qu'il a faites pour vous et a dû fuir le 15 août. Je suis sans nouvelles de lui et seule à supporter soit l'ironie, soit des réflexions bien désagréables à son sujet.
Le personnel de l'hôtel a la mémoire courte et la digestion rapide. Sache, ma chérie, qu'il a fait sortir des personnes des griffes allemandes et que pas un employé de l'hôtel n'est parti en Allemagne grâce à lui et qu'il m'a sauvé la vie en me faisant sortir de prison. En France, Nicolas Blanchet, le représentant de Skolnikov à Monaco, est arrêté et emprisonné à Fresnes. Il déclare au magistrat que Martinez aurait vendu ses actions à Skolnikov. C'est ainsi qu'Emmanuel Martinez est accusé de collaboration économique. Absent au procès, Mandel Skolnikov est condamné à 3,9 milliards de francs de confiscation et d'amende. Une liste de 49 complices condamnés solidairement est publiée. Les noms d'Emmanuel Martinez, la Société des Grands Hôtels de Cannes et la Société Fermière de l'Hôtel Martinez y apparaissent. Et le gouvernement français organise également une mission clandestine en Espagne pour s'emparer de Skolnikov. Monsieur Skolnikov a été tué par des agents des services secrets français le 10 juin 1945 dans la province de Madrid. Il est mort. La première condamnation contre Martinez, c'est le 11 juillet 1945, au titre de la collaboration économique avec l'ennemi. Et Martinez est condamné, au titre de la collaboration économique avec l'ennemi, à payer la somme de 39 millions de francs de l'époque, avec intérêt de 4% par mois. On ne lui a pas appliqué ce qu'on applique à tous les citoyens, c'est-à-dire le principe de la personnalité des peines, qui n'est pas un terme trop compliqué. Ça veut simplement dire que pour être condamné, il faut être vivant. C'est-à-dire qu'il faut que vous puissiez avoir été entendu, il faut que vous puissiez avoir exprimé ce que vous pensez, il faut que vous puissiez discuter sur les preuves qui vous accusent. Et Martinez a été condamné par solidarité avec un mort. Ce qui viole les droits de l'homme. En octobre 1945, Emmanuel Martinez, déjà condamné pour collaboration économique, va être condamné à 20 ans de réclusion criminelle, ainsi qu'à l'indignité nationale pour collaboration politique. De son côté, Frédéric Danella a lui aussi du mal à traverser ces années troubles. Après avoir été arrêté par la Gestapo, il est arrêté par les FFI, accusé d'avoir eu des sympathies fascistes. C'est que mon père avait des idées de droite, très droite. Alors, ayant des idées de droite, vous savez bien qu'en France, il y a quand même le parti de droite et le parti révolutionnaire. On l'empêchera pas, hein, jusqu'à la fin du monde. Après la guerre, on a été ennuyés. Mon père a été poursuivi, même en France, par certains, là. Et ils sont venus le chercher. J'étais présent. 5 hommes avec 5 revolvers. Vous comprenez, ça marque quelqu'un. Et moi, j'étais jeune à l'époque, bien sûr. J'étais petite. Ils ont demandé à mon père et à mon frère aîné de descendre l'escalier de la cave. Ils ont demandé. Il y a eu des interventions justement dans le quartier de personnes connaissant mon père qui sont intervenues, qui ont dit comment vous venez chercher Monsieur Danella, mais vous trompez complètement, voilà, c'est ça. Quant à l'hôtel Martinez, il est séquestré par l'État, géré par l'administration des domaines, qui en confie la direction à Marius Bertagna. Marius Bertagna a pu gagner, en dénonçant Martinez, il a pu gagner une place de choix, puisque j'ai un courrier de la direction des domaines qu'il propose aussi de le nommer au conseil d'administration du Majestic. Donc il va devenir très rapidement, dans l'hôtellerie de luxe qu'il connaissait bien, un personnage important. Et jusqu'en 1974, c'est une date lointaine quand même, puisque nous sommes en 1944, quand il fait ses dénonciations, jusqu'en 1974, il va pouvoir diriger l'hôtel Martinez et donc devenir, dans l'hôtellerie de luxe, un des principaux acteurs azuriens de la décennie 30 glorieuses. Marius Bertagna n'a jamais eu la prestance de mon grand-père, n'a jamais été ni un petit ni un grand hôtelier, il était simplement comptable, et comptable, les domaines avaient besoin d'un comptable sur place, donc il surveillait les comptes de l'hôtel, il était le super comptable de l'hôtel Martinez pour les domaines. Et c'est comme ça que l'hôtel a continué à végéter pendant des années, à l'époque où mon grand-père ne pouvait pas revenir à l'hôtel.
En 1949, armé d'un solide dossier qui l'innocente complètement, Martinez se rend de son plein gré en France et demande à être rejugé. Et c'est à l'unanimité du jury et sur la réquisition du parquet que la Haute Cour de justice de Lyon l'acquitte le 19 mai 1949. Martinez est alors persuadé qu'il a le droit de récupérer la propriété de son hôtel. Il y a une petite anecdote que je peux vous raconter, c'est que quand mon grand-père est venu libre et sans faire au procès de Lyon en 1949 et qu'il a été complètement blanchi et gracié à la majorité absolue, très peu de jours après, il est redescendu tout de suite à Cannes. Il est rentré dans son hôtel, pensant que, bon, ça y est, il n'était plus condamné comme collaborateur, etc. Il est rentré à Cannes, il est allé dans son bureau, et là, dans son bureau, qu'est-ce qu'il a trouvé? Son ancien secrétaire particulier, qui s'appelait Monsieur Marius Bertagna. Et Bertagna, à ce moment-là, a fait appeler la préfecture de Nice, le préfet de police, et ils ont sorti mon grand-père, manu militari, alors qu'il pouvait être chez lui, que lui pensait qu'il avait été blanchi, gracié et tout à grâce, et donc il récupérait son hôtel, et là il s'est rendu compte que malheureusement Monsieur Bertagna avait fait un mauvais travail, ou plutôt un bon travail pour lui, et donc il avait renvoyé mon grand-père de son hôtel. C'est-à-dire que Martinez, lui, va leur dire, attendez, je n'ai pas trafiqué avec les Allemands, j'étais pas leur homme, j'ai pas fait de commerce avec eux, j'étais pas leur allié, ça a été reconnu par la justice, ben, je dois récupérer mon hôtel. Et on lui dit, niette. En effet, Martinez reste condamné pour avoir, selon les affirmations mensongères de Nicolas Blanchet, vendu ses actions de l'hôtel à Skolnikov. Installé à Londres, il va se battre avec ses avocats pendant plusieurs années afin de faire annuler cette condamnation. Londres, 5 janvier 1951. Ma bonne chérie, j'ai été très occupé et la correspondance avec mes avocats de Paris m'absorbe une partie de mes journées. Je ne puis rien te dire de précis, mais tu peux rester convaincu que tout ira bien. Je t'embrasse tendrement, ton Mano. Londres, 24 octobre 1955. Ma chérie, ne m'écris pas pour le moment et ne t'impatiente pas. Depuis quelques jours, j'ai ma femme bien malade. Son état de santé s'est subitement aggravé et on désespère de la sauver. Je ne tiens pas qu'on sache que je suis dans le malheur. Je te tiendrai au courant. Ton Mano. Marie, qui fut son épouse légitime pendant 46 ans, décède en 1955 brutalement à la suite d'une opération. Il décide de se rendre à Milan. Il veut récupérer les papiers qu'il a confiés à son avocat italien. Parmi ces papiers, il y a des actions du Martinez qui sont encore au porteur et qu'Emmanuel avait cru pouvoir mettre en sécurité en Italie. Il est reçu à son arrivée par Esther Rossini, la fille de l'avocat qui lui servait de secrétaire. Esther Rossini lui met le marché en main. Les actions sont à lui s'il accepte de l'épouser. Les noces sont rapidement célébrées. Emma Digard n'en saura rien pendant plus d'un an. En 1957, le Conseil d'État rejette le dernier recours d'Emmanuel Martinez. Il ne dispose plus que de la voie diplomatique ou de la révision pour récupérer son hôtel. J'habite ici depuis 1959 et, comment dirais-je, quand je suis arrivée ici, j'étais avec mon mari et mes trois enfants. Il y en a, c'était des petits jeunes gens, mais ils allaient encore à l'école. Et cette grande pièce, on leur avait donnée parce que c'est la seule qui a un petit peu de vue. Et là, il y avait un peu plus d'air. Alors, il y avait trois lits, un lit là, un lit ici et un autre comme ça. Et, comment dirais-je, il n'y avait pas tout ce qu'il y a là, hein, bien entendu. Quand nous avons aménagé, on n'avait pas tellement d'argent, donc il n'y avait pas grand-chose. Il y avait une grande armoire pour leurs affaires, et puis les trois lits, voilà, c'est tout. C'est tout ce qu'il y avait ici. Et puis, quand mon mari commençait à être un peu malade, il a fallu que je travaille. Et à l'époque, je travaillais chez Christian Dior, et j'y suis restée assez longtemps, mais comme il payait pas tellement, j'étais obligée de partir parce que ça payait à peine le loyer de la maison.
Et alors, j'ai appris la manucure. Et un jour, ben, j'en avais assez de faire un tas de petits métiers comme ça. Et j'ai même été vestiaire chez un coiffeur boulevard Haussmann. Et je suis rentrée chez un coiffeur. Et je suis restée là pendant quelques années. Et puis après, j'ai travaillé à Avenue Niel chez un autre coiffeur. Et là, j'ai travaillé aussi pendant six, sept ans. Puis après, c'était la retraite. Oh, j'avais pas d'emploi réellement fixe. Mais le seul où j'ai pu, c'est quand j'ai... comment on appelle ça j'ai eu l'occasion de pouvoir rentrer à la CEDIC. La comptabilité, enfin, pas la comptabilité, qu'on appelle. Oui, c'est une sorte de... Non, au contentieux. Contentieux. Et je suis resté 10 ans, là, heureusement. C'est ça qui m'a permis de survivre. Autrement, il n'y avait rien. Je vous passe tout ce que j'ai pu faire. J'ai fait de tout. Mais c'est pas rigolo. J'en veux un peu quand même à Martinez, quand même, malgré tout. Parce que on aurait dû avoir une vie tout à fait différente. En 1967, le ministre du Budget Michel Debré envisage de restituer l'hôtel Martinez à Emmanuel Martinez. Mais la famille Skolnikov s'y oppose judiciairement. Ils ont fait venir à Paris un monsieur qui s'appelait Petit Nouvellon, qui était le factotum pour tous les biens achetés à Paris de monsieur Skolnikov pendant la guerre. Et ce Petit Nouvellon a attaqué mon grand-père en justice en disant, porté plainte, en disant, oui, mais de toute façon, monsieur Martinez, les actions qu'il a de son hôtel, et les 93 000 ou 50 000, ça dépend comment on se plaçait, il les a volées à monsieur Skolnikov. Et donc, c'est cette personne-là, au nom du frère de Skolnikov, Grégoire Skolnikov, qui était à ce moment-là, s'était installé à Paris, c'est à ce moment-là que ce monsieur a attaqué mon grand-père. Et donc nous avons un procès qui a duré jusqu'à l'année 74, où, Dieu merci, mon grand-père a gagné, mais il était mort en 73. Emmanuel Martinez décède à l'âge de 92 ans. Il meurt ruiné à la veille d'une décision judiciaire qui déclare qu'il n'a pas vendu son hôtel à Skolnikov. La fameuse collaboration économique disparaît officiellement. En théorie, cette décision aurait dû faire annuler toutes les condamnations frappant Martinez. Et pourtant, il n'en fut rien. À la fin 74, ce qu'on pouvait se dire dans la famille, eh bien, c'était terminé. Il avait été blanchi en 49. Son hôtel, il ne l'avait pas vendu. La Cour de cassation le précise en 74. Fin 74, nous sommes en droit d'attendre qu'on nous rende l'hôtel Martinez. Les héritiers ont le droit de récupérer l'hôtel Martinez. Et c'est pas ce qui est arrivé. En 1976, Frédéric Danella décède à son tour, renversé par un tramway. Ses héritiers sont financièrement acculés. L'hôtel particulier est vendu aux enchères et sa fille Denise est jetée à la rue. Avec mon frère, nous avons dit la situation ne peut pas durer comme ça. Il faut d'abord voir chez les petites sœurs des pauvres et puis aller après voir les sœurs hospitalières de Saint-Augustin. Voilà. Alors les petites sœurs des pauvres, il n'y a rien à faire. Ce n'est pas la volonté du Seigneur. Je ne rentrerai pas chez les petites sœurs des pauvres. Ça, sûrement pas. Alors, deuxièmement, donc, je me suis présentée donc, chez les sœurs hospitalières de Saint-Augustin. J'ai été reçue par Mère Sainte-Hélène qui m'a dit de repasser. C'était vers les midis. Elle m'a dit, venez à 2 heures. Venez à 2 heures. Alors, j'ai attendu là dans le parc, près de la statue de l'Immaculée Conception. Alors, il y a un petit... le chien... Il y a un petit chien qui est venu me tenir compagnie. Alors pendant ce temps, bon, alors après elle m'a reçue, elle m'a dit, écoutez, dans l'état où vous vous trouvez, etc., moi je ne peux pas vous laisser dans cet état. Elle m'a dit, je ne peux pas vous laisser dans cet état. Et fermement, elle m'a dit, vous serez hébergé et vous serez libre, complètement libre. À
Alors, comme je vous disais, ici, c'était la chambre des enfants et il n'y avait pas encore le portrait de ma mère, là. Et c'est quand ma mère était assez âgée, son portrait, elle n'aimait pas se voir vieillir. Et de temps en temps, quand j'allais la voir chez elle, plusieurs fois, elle avait fait découper la toile. Alors j'ai dit, maman, j'aimerais bien prendre le tableau avant que tu l'aies complètement esquinté. Elle a dit, bon, je te le donne, je veux pas me voir comme ça. À un moment donné, maman était assez âgée, elle était malade. Et quand mon mari est décédé, je me suis dit, mon Dieu, elle est seule. Et puis, c'est pas... À l'époque, j'allais souvent, je faisais partie des petits frères des pauvres. Et j'allais le dimanche ou le lundi, quand je travaillais pas, j'allais visiter des gens. Alors je me suis dit, je visite des gens, mais enfin, ça serait aussi bien que je prenne ma mère chez moi. Et c'est à ce moment-là que maman est venue habiter ici, deux ou trois ans après la mort de mon mari, je me souviens pas. Et à ce moment-là, elle est venue habiter ici. Je lui avais donné ma chambre. Et moi, j'étais ici dans le salon. Il n'y avait pas ce canapé-là, mais il y avait ce fauteuil qui est derrière moi, qui était un lit. Alors je couchais là. Et maman est restée 3 ans et demi chez moi. Et elle est morte, elle avait 87 ans. Donc elle est arrivée vers 80 et quelques. Et c'était formidable. Moi, j'étais contente de la voir. Les événements se précipitent. La propriété de l'hôtel Martinez est transférée à l'État français qui le revend en 1981 au groupe Concorde qui à son tour le revend en 2004 au groupe américain Starwood. Les familles Martinez et Danella contestent les ventes. Ils n'ont jamais cessé de revendiquer leurs droits malgré les refus persistants de la justice française. Dans ma famille, on est quand même pas mal. Il y a pas mal d'enfants, de petits-enfants, de cousins, etc. Tout le monde est au courant de cette histoire, bien entendu, parce qu'on a tous été élevés dans cette histoire depuis tellement d'années. Et je me dis, bon, mes enfants, les miens déjà, sont au courant. J'ai d'autres neveux aussi qui sont au courant et qui nous posent à chaque fois la question comment ça se passe, où on en est, etc. Et donc, je me rassure. Je me dis que si jamais ce procès devait encore durer 30 ans ou 40 ans, la génération suivante pourrait prendre la défense de la famille. Dans la famille Danella, on compte aussi sur les enfants et les petits-enfants pour continuer le combat judiciaire. J'ai reconnu ma fille et j'ai 3 petits-enfants. Ce qui fait que l'affaire, là, elle ne finira jamais. Ouais. Même si je meurs ce soir, ils auront toujours... ceux qui nous doivent de l'argent seront toujours condamnés. Ils ont de quoi s'amuser avec... j'ai des petits, le petit, il y a combien là, elle a 12 ans de... Ils ont de quoi s'amuser. Il n'est pas l'aîné, hein. Il n'est pas l'aîné, lui. J'ai un peu raison de dire ça, parce que c'est vrai. Alors, c'est pas moi qui commande tellement. On est tous un bloc des Danella. Et Danella et Fortunato, hein, on remarque, mais c'est pareil, hein. C'est ma fille, quoi. Plus de 75 ans après la mise sous séquestre de l'hôtel Martinez, la situation n'a pas évolué. Les avocats de l'État, du groupe Concorde ou de Starwood n'ont pas souhaité s'exprimer en dehors du tribunal. Dans ce dossier, il y a 2 dossiers. Il y a le dossier d'Anella qui est le dossier du constructeur de l'hôtel Martinez et vous avez le dossier d'Emmanuel Martinez qui est le fondateur. Pour le dossier du fondateur de l'hôtel, mes adversaires m'opposent les décisions de justice qui ont été rendues de par le passé. Donc il s'appuie sur ce qu'en droit on appelle, parce qu'il ne faut pas faire de jargon, l'autorité de la chose jugée, pour dire, écoutez, circuler, il n'y a rien à voir. Tout a déjà été jugé et ils ont peur de la vérité. Pour le dossier du constructeur, la seule chose qu'ils m'opposent au moment où je vous parle, c'est que certaines pièces ne sont pas lisibles. Mais ils n'ont pas conclu sur le fond du dossier. Donc mes adversaires, en fait, ne veulent pas aborder le fond du dossier. Ils ne veulent pas aborder la vérité parce que c'est une vérité dérangeante.
L'argent m'a jamais intéressée. Quand, si on a commencé l'affaire de Martinez, c'était surtout pour rendre la respectabilité à mon père, parce qu'on l'a tellement traîné dans la boue. Quand il y a eu cette histoire de l'hôtel, qu'on a commencé à parler des sommes et tout ça, tant mieux s'il y en a un jour, tant mieux. Mais moi, je n'attends pas ça. C'est pas l'argent que j'attends. Alors donc, je défends deux causes, double cause. La cause de la justice, de l'application de la justice à la lumière de la vérité dans la vraie charité. Mais justement, la charité, c'est de s'occuper de son frère. Voilà. Moi, j'habitais au Jean Jaurès avant. Et puis à un moment donné, j'étais obligé de partir de là-bas. Et heureusement qu'on a trouvé ça. Mais en attendant... Provisoire. J'attends des résultats. Voilà, je suis en campement un peu ici, vous voyez. On le voit d'ailleurs. Si les choses s'arrangent juridiquement, enfin, disons pas juridiquement, puisque c'est dû. Alors les choses vont s'arranger dans un bref délai comme cela se doit. Alors à ce moment-là, ça lui permettra de pouvoir avoir de nouveau de la liberté et de pouvoir sortir et de pouvoir se trouver dans un milieu normal. On aurait dû avoir une vie tout à fait différente. Enfin, l'essentiel c'est de pouvoir survivre, mais je trouve que c'est tout gâché, voilà, si vous voulez savoir. Je pense simplement à ça, moi. Mais j'admire un peu ma sœur qui a beaucoup de... Elle le fonce toujours. C'est bien. Moi, je considère que c'est cuit. On verra, voilà. Tous les grands de ce monde passé et présent ont arpenté ces couloirs. Et ces murs sont les témoins des soubresauts de l'histoire.